Comment ça soit, tu sais? Je sais pas. Je bouge. Toi là, peut-être. Je vais mettre à côté de ma femme, moi. Hein? Oui. Je mets les verres là. Laurence, s'il te plaît. Oh, elle serait plutôt au bout dans la mer, Daniel. Tu veux te mettre là? Je sais pas, mais j'imagine la mer au bout, moi. Ok. Alors, la mer, le frère. Ouais, c'est bien, ouais, ça. Ouais, c'est bien, là. Voilà. Allez. La femme. Sœur, c'est bien. Ouais. Ouais, comme ça, ça m'a l'air bien. Ouais. Je crois. Juste. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai, l'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit, ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après. Malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage. Pour annoncer lentement, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée, et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé ? Pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager et paraître peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé, en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir, là encore, décider. Me donner et donner aux autres et à eux, tout précisément. Toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas,
Trop tard, et tant pis. Me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. C'est Catherine. Elle est Catherine. Catherine, c'est Louis. Voilà Louis, Catherine. Non, Suzanne, s'il te plaît, tu le laisses avancer. Elle est contente. Mais on dirait un espagnol. Mais ne me dites pas ça. Ce que je viens d'entendre, c'est vrai, j'oubliais. Me dites pas ça, ils ne se connaissent pas. Louis, tu connais pas Catherine? Tu dis pas ça, là. Vous ne vous connaissez pas. Jamais rencontré. Jamais. Mais comment veux-tu? Tu sais très bien. Je suis très content. Oui, moi aussi, bien sûr, moi aussi. Avec Catherine. Tu lui serres la main? Louis. Enfin, Suzanne l'a dit, elle vient de le dire. Et tu lui serres la main? Il lui serre la main? Tu ne vas tout de même pas lui serrer la main? Ils ne vont pas se serrer la main, dire des étrangers. Ils ne changent pas. Je le voyais tout à fait ainsi. Tu ne changes pas. Il ne change pas, comme ça que je l'imagine. Il ne change pas, Louis. Et avec quelle Catherine, elle? Tu te retrouveras, vous vous trouverez sans problème. Elle est la même. Vous allez vous trouver. Ne lui serre pas la main. Embrasse-la, Catherine. Mais Suzanne, il se voit pour la première fois. Je vous embrasse à la raison, pardon. Je suis très heureux, vous permettez? Tu vois ce que je disais? Faut leur dire. Non, mais en même temps, qu'est-ce qui m'a mis une idée pareille en tête? Dans la tête? Je le savais. Mais je suis ainsi. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils se connaissent, que vous ne vous connaissiez pas. Que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils, ça, je ne l'aurais pas imaginé. Alors, cru pensable. Vous vivez d'une drôle de manière. Oui, lorsque nous nous sommes mariés, il n'est pas venu. Et depuis le reste du temps, les occasions ne se sont pas trouvées. Elle sait ça parfaitement. Oui, mais ne m'expliquez pas, c'est bête. Je ne sais pas pourquoi je demandais ça. Je le sais aussi bien, mais j'oubliais. J'avais oublié là, toutes ces autres années. Je ne me souvenais pas à ce point, c'est ce que je voulais dire. Il est venu en taxi. J'étais derrière la maison et j'entends une voiture. J'ai pensé que tu avais acheté une voiture. On ne peut pas savoir, ce serait logique. Je t'attendais et le bruit de la voiture, du taxi, immédiatement, j'ai su que tu arrivais. Je suis allée voir, c'était un taxi. Tu es venu en taxi depuis la gare. Je l'avais dit. Ce n'est pas bien, j'aurais pu aller te chercher. J'ai une automobile personnelle. Aujourd'hui, tu me téléphones, je serai immédiatement partie à ta rencontre. Tu n'as qu'à prévenir et m'attendre dans un café. J'avais dit que tu ferais ça. Je leur avais dit que tu prendrais un taxi. Mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire. Tu as fait un bon voyage, je ne t'ai pas demandé. Je vais bien. J'ai pas de voiture, non. Toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Toi, comment est-ce que tu vas? Ouais, je vais bien. Faut rien exagérer, c'est pas un grand voyage. Tu vois, Catherine, ce que je disais, c'est Louis. Il n'embrasse jamais personne, toujours été comme ça. Son propre frère, il ne l'embrasse pas. Suzanne, fous-nous la paix! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai rien dit, je lui dis rien, celui-là! Je te parle! Maman! Ils sont chez leur autre grand-mère. Ben, nous ne pouvions pas savoir que vous viendriez et les lui retirer à la dernière seconde, elle n'aurait pas admis. Et ils auraient été heureux de vous voir. Cela, on n'en doute pas, on n'en doute pas une seconde, non? Et moi aussi, Antoine également. Nous aurions été heureux, ben, évidemment, qu'ils vous connaissent enfin. Ils ne vous imaginent pas.
La plus grande a 8 ans. On dit, mais je ne me rends pas compte, je ne suis pas la mieux placée, tout le monde dit ça. On dit, et ces choses-là me paraissent jamais très logiques. Juste un peu, bah, comment dire, pour amuser, non? Je ne sais pas. On dit, bon, et je ne vais pas les contredire, qu'elle ressemble à Antoine. On dit qu'elle est exactement son portrait, en fille, la même personne. On dit toujours des choses comme ça de tous les enfants, on le dit, moi je ne sais pas pourquoi, non? Le même caractère, là, le même sale, mauvais caractère. Ils sont les deux mêmes, pareils et obstinés. Comme il est là aujourd'hui, elle sera plus tard. Vous nous aviez envoyé un mot, enfin vous m'avez envoyé un mot, un petit mot. Et des fleurs, je me souviens. C'était... Ce fut. C'était une attention très gentille et j'en ai été touchée. Mais en effet, vous ne l'avez jamais vue. Bon, ben, c'est pas aujourd'hui, tant pis. Bon, ce ne sera pas aujourd'hui que cela changera. Je le raconterai. Nous vous avions, avant, envoyé une photographie d'elle. Elle est toute petite, toute menue. C'est un bébé, ces idioties. Et sur la photographie, elle ne ressemble pas à Antoine, pas du tout. Elle ressemble à personne. Bah, quand on est si petit, on ne ressemble à rien. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Bon, aujourd'hui, elle est très différente. Une fille, et vous ne pourriez la reconnaître. Elle a grandi. Et elle a des cheveux. C'est dommage. Mais laisse ça, tu l'ennuies. Bah, pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Me dis pas ça. Je vous ennuie. J'ennuie tout le monde avec ça, les enfants. On croit être intéressante. Je sais pas pourquoi il a dit ça. J'ai pas compris pourquoi est-ce que t'as dit ça. C'est méchant. Enfin non, c'est pas méchant, c'est déplaisant. Non, ça m'ennuie pas du tout, tout ça, là, mes filleuls. Mes neveux. Non, c'est pas mes filleules. Mes neveux, nièces, ma nièce, tout ça, ça m'intéresse. Il y a aussi un petit garçon, il s'appelle comme moi, Louis. Oui, je vous demande pardon. Ça m'a fait plaisir. Je suis touché. J'ai été touché. Il y a un petit garçon, oui. Le petit garçon a... Il a maintenant 6 ans. Oh, 6 ans. Ben, je sais pas quoi d'autre... Ils ont 2 années de différence, 2 années les séparent. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Elle n'a rien dit, elle ne me regarde pas comme ça. Tu vois comme elle me regarde? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ce que j'ai dit qui doit, qui devrait, ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit t'empêcher. Je n'ai rien dit qui puisse te troubler. Elle est troublée. Elle te connaît à peine et elle est troublée. Catherine est comme ça. Je n'ai rien dit, il t'écoute. Cela t'intéresse? Il t'écoute, il vient de le dire. Ça l'intéresse. Nos enfants, mes enfants. Ça lui plaît. Cela te plaît? Il est passionné. C'est un homme passionné par cette description de notre progéniture. Je ne sais pas pourquoi s'il m'a pris. Rien sur son visage ne manifestait le sentiment de l'ennui. J'ai dit ça, ça devait être sans y penser. Oui, non, je ne pensais pas à ça. C'est pénible. C'est pas bien. Je suis mal à l'aise. Excusez-moi. Je t'en veux pas, mais tu m'as mis mal à l'aise, là. Voilà, maintenant, je suis mal à l'aise. Ça va être de ma faute. Une si bonne journée. Tu parlais de Louis, Catherine. Tu parlais de Louis, le gamin. Laisse-le, tu sais comment il est. Oui, bon, pardon. Ce que je disais... Ben, il s'appelle comme vous, mais à vrai dire... Non, je m'excuse. Ça va, là? Je m'excuse. Je n'ai rien dit. On dit que je n'ai rien dit. Mais tu ne me regardes pas comme ça. Tu ne continues pas à me regarder ainsi. Non, mais franchement, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, j'ai entendu. Je t'ai entendu. Ce que je dis, il porte avant tout, et c'est plutôt là l'origine. Bon, je raconte. «
Il porte avant tout le prénom de votre père et fatalement, par déduction... Les rois de France. Bon, écoute, Antoine, écoute-moi. Je ne dis rien, cela m'est égal. Tu racontes à ma place. Je n'ai rien dit. Je plaisantais. On ne peut pas plaisanter. Un jour comme aujourd'hui, si on ne peut pas plaisanter... Il plaisante. C'est une plaisanterie qu'il a déjà faite. Explique. Il porte le prénom de votre père. Je crois, nous croyons, nous avons cru. Je crois que c'est bien. Cela faisait plaisir à Antoine. C'est une idée auquel... À laquelle. Une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien lui trouver à redire. Je déteste pas ce prénom. Dans ma famille, il y a le même genre de tradition. Bon, c'est peut-être un peu moins suivi. Moi, je me rends pas compte, j'ai qu'un frère, fatalement, et il n'est pas l'aîné. Alors, le prénom des parents, ou du père de l'enfant mâle, le premier garçon, toutes ces histoires. Et puisque vous n'aviez pas d'enfant, enfin, puisque vous n'avez pas d'enfant, non, parce qu'il aurait été logique, hein, nous le savons, ce que je voulais dire, mais puisque vous n'avez pas d'enfant, et Antoine dit ça, tu dis ça, tu as dit ça, Antoine dit que vous n'en aurez pas. On ne s'est pas décidé de votre vie, mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, on renonce. Puisque vous n'avez pas de fils, et c'est surtout cela, puisque vous n'aurez pas de fils, bah, il était logique. Logique. Non, c'est pas un joli mot pour une chose à l'ordinaire, heureuse et solennelle, le baptême des enfants. Bon. Il était logique. On comprend. Bon, cela pourrait paraître juste des traditions de l'histoire ancienne, mais c'est aussi ainsi que nous vivons. Il paraissait logique, nous nous sommes dit ça, que nous l'appelions Louis. Comme votre père, donc, comme vous, de fait. Je pense aussi que cela fait plaisir à votre mère. Mais tu restes l'aîné, hein, aucun doute là-dessus. Hein. C'est... Dommage vraiment que tu ne puisses le voir et bon, si à ton tour... Et là, pour ce petit garçon, comment est-ce que vous avez dit? L'héritier est mal? Tu n'avais pas envoyé de mots? Mais merde, ce n'est pas de ça qu'elle parlait. Oh, Antoine! Lorsque tu es parti... Je ne me souviens pas de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. Je n'ai pas fait attention. Je ne prenais pas garde. Et je me suis retrouvée sans rien. Je t'oubliais assez vite. J'étais petite, jeune, ce qu'on dit. J'étais petite. Ce n'est pas bien que tu sois partie. Partie si longtemps. Ce n'est pas bien et ce n'est pas bien pour moi. Et ce n'est pas bien pour elle. Elle ne te le dira pas. Et ce n'est pas bien encore d'une certaine manière pour eux. Antoine et Catherine. Mais aussi, je ne crois pas que je me trompe, mais aussi ce ne doit pas, ça n'a pas dû, ce ne doit pas être bien pour toi non plus. Pour toi aussi, tu as dû parfois, même si tu ne l'avoues pas, jamais. Même si tu ne devais jamais l'avouer, et il s'agit bien d'aveu, tu as dû parfois, toi aussi, ce que je dis. Toi aussi, tu as dû parfois avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire. Ou plus habilement, je pense que tu es un homme habile. Oui, un homme qu'on pourrait qualifier d'habile, un homme plein d'une certaine habileté. Ou plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger de nous-mêmes à nous inquiéter de toi. Parfois, tu nous envoyais des lettres. Parfois, tu nous envoies des lettres. Ce ne sont pas des lettres, qu'est-ce que c'est? Des petits mots. Juste des petits mots, une ou deux phrases, rien. Comment est-ce qu'on dit? Elliptique. Parfois, tu nous envoyais des lettres elliptiques. Je pensais lorsque tu es parti, ce que j'ai pensé lorsque tu es parti, lorsque j'étais enfant et lorsque tu nous as faussé compagnie,
là que ça commence. Je pensais que ton métier, ce que tu faisais ou allais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier était d'écrire, serait d'écrire. Et que de toute façon, et nous éprouvons les uns les autres ici, tu le sais. Tu ne peux pas ne pas le savoir. Une certaine forme d'admiration. C'est le terme exact, une certaine forme d'admiration pour toi à cause de ça. Ou que, de toute façon, si tu en avais la nécessité, si tu en éprouvais la nécessité, si tu en avais soudain l'obligation ou le désir, tu saurais écrire. Te servir de ça pour te sortir d'un mauvais pas ou avancer plus encore. Mais jamais nous concernant. Jamais tu ne te sers de cette possibilité, de ce don. On dit comme ça, une sorte de don, je crois. Tu ris? Jamais nous concernant, tu ne te sers de cette qualité. C'est le mot, et un drôle de mot puisqu'il s'agit de toi. Jamais tu ne te sers de cette qualité que tu possèdes avec nous, pour nous. Tu ne nous en donnes pas la preuve, tu ne nous en juges pas dignes, c'est pour les autres. Ces petits mots, les phrases elliptiques, ces petits mots, ils sont toujours écrits au dos de cartes postales. Nous en avons aujourd'hui une collection enviable. Comme si tu voulais de cette manière toujours paraître en vacances. Je sais pas, je croyais cela. Ou encore comme si par avance tu voulais réduire la place que tu nous consacrais et laisser à tous les regards les messages sans importance que tu nous adresses. Je vais bien et j'espère qu'il en est de même pour vous. Et même pour un jour comme celui d'aujourd'hui, même pour annoncer une nouvelle de cette importance, et tu ne peux pas ignorer que ce fut une nouvelle importante pour nous, nous tous, même si les autres ne te le disent pas, tu as juste écrit là encore quelques rapides indications d'heures et de jours au dos d'une carte postale achetée très certainement dans un bureau de tabac et représentant, que je me souvienne, une ville, de la nouvelle, une ville nouvelle, de la grande périphérie vue d'avion avec, on peut s'en rendre compte aisément au premier plan, le parc des expositions. Elle. Ta mère. Ma mère, elle dit que tu as fait et toujours fait, et depuis sa mort à lui, que tu as toujours fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Elle répète ça. Et si nous devrions, par hasard seulement, ne serait-ce qu'à peine, si nous devrions insinuer, oser insinuer que peut-être, comment dire, tu ne fus pas toujours tellement, tellement présent. Elle répond que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire et nous, nous nous taisons. Est-ce qu'on sait? On ne te connaît pas. Ce que je suppose, ce que j'ai supposé, et Antoine pense comme moi. Il me le confirma lorsqu'il pensa que sur ce point comme sur d'autres, j'étais en âge de comprendre. C'est que jamais tu n'oublias les dates essentielles de nos vies. Les anniversaires, quels qu'ils soient, que tu restes proche d'elle d'une certaine manière et que... nous n'avons aucun droit de te reprocher ton absence. C'est étrange. Je voudrais être heureuse et l'être avec toi. On se dit ça, on se prépare et je te fais des reproches. Tu sembles m'écouter sans m'interrompre. J'habite toujours ici, avec elle. Antoine et Catherine avec les enfants. Je suis la marraine de Louis. Ont une petite maison, un pavillon, j'allais rectifier. Je sais pas pourquoi tu dois aimer ce que je pense. Tu dois aimer ces légères nuances, petite maison. Bon. Comme bien d'autres, à quelques kilomètres de nous, par là, vers la piscine découverte Omnisport, tu prends le bus 9, et ensuite le 62, et ensuite tu dois marcher encore un peu. C'est bien. Ça ne me plaît pas, j'y vais jamais, mais c'est bien. Je sais pas pourquoi je parle. Et ça me donne presque envie de pleurer, tout ça. Qu'Antoine habite près de la piscine. Non, c'est pas bien. C'est un quartier plutôt laid. Ils reconstruisent, mais cela ne peut pas s'arranger. Je n'aime pas du tout l'endroit où il habite. C'est loin, je n'aime pas. Ils viennent toujours ici, et nous n'allons jamais là-bas. Ces cartes postales, tu pouvais mieux les choisir, je sais pas. Hein, je les aurais collées au mur, je les aurais montrées aux autres filles. Bon.
Non, ce n'est rien. J'habite toujours ici avec elle. Je voudrais partir, mais ce n'est guère possible. Je ne sais comment l'expliquer, comment le dire, alors je ne le dis pas. Antoine pense que j'ai le temps. Il dit toujours des choses comme ça, tu verras. Tu t'en es peut-être déjà rendu compte. Il dit que je suis pas mal. En effet, si on y réfléchit, en effet, j'y réfléchis, je ris, voilà. Je me fais rire. En effet, je suis pas mal, c'est pas ça que je dis, je ne pars pas, je reste. Je vis où j'ai toujours vécu, mais je ne suis pas mal. Peut-être, est-ce qu'on peut deviner ces choses-là? Peut-être que ma vie sera toujours ainsi. On doit se résigner, bon. Il y a des gens, ils sont le plus grand nombre, il y a des gens qui passent toute leur existence là où ils sont nés, et où sont nés avant eux leurs parents, mais ils ne sont pas malheureux, on doit se contenter. Ou du moins, ils ne sont pas malheureux à cause de ça, on ne peut pas dire. C'est peut-être mon sort. Ce mot-là m'a destiné cette vie. Je vis au second étage. J'ai ma chambre. Je l'ai gardée. Et aussi la chambre d'Antoine. Et la tienne encore, si je veux, mais celle-là, nous n'en faisons rien. C'est comme un débarras. Ce n'est pas méchanceté, mais et on y jette les vieilleries. Les choses qui servent plus, mais qu'on n'ose pas jeter. D'une certaine manière, c'est beaucoup mieux. Mmh. Ce qu'ils disent tous lorsqu'ils se mettent contre moi, beaucoup mieux que ce que je pourrais trouver avec l'argent que je gagne si je partais. C'est comme une sorte d'appartement. C'est comme une sorte d'appartement, mais ensuite j'arrête. Mais c'est pas ma maison. C'est la maison de mes parents. Ce n'est pas pareil. Tu dois comprendre cela. J'ai aussi des choses qui m'appartiennent. Les choses ménagères, tout ça, la télévision, les appareils pour entendre la musique. Il y a plus chez moi là-haut, je te montrerai. Toujours Antoine, il y a plus de confort qu'il y en a ici-bas. Non, pas ici-bas. Ne te moque pas de moi, qu'il y en a ici. Toutes ces choses m'appartiennent. Je ne les ai pas toutes payées. Hey, c'est pas fini. Mais elles m'appartiennent. C'est à moi directement qu'on viendrait les reprendre si je ne payais pas. Et quoi d'autre encore? Je parle trop. Mais c'est pas vrai. Je parle beaucoup quand il y a quelqu'un, mais le reste du temps, non. Sur la durée, cela compense. Je suis proportionnellement plutôt silencieuse. Nous avons une voiture. Ce n'est pas seulement la mienne, mais elle n'a pas voulu apprendre à conduire. Elle dit qu'elle a peur et je suis chauffeur. C'est bien pratique. Cela nous rend service. On n'est pas toujours obligé de demander aux autres. C'est tout. Ce que je veux dire, c'est que tout va bien. Et que tu aurais eu tort, en effet, de t'inquiéter. Le dimanche. Maman. J'ai rien dit. Je racontais à Catherine. Le dimanche. Elle connaît ça par cœur. Ah, mais laisse-la parler. Tu veux laisser parler personne. Elle allait parler. Ça le gêne. Alors, on travaillait. Leur père travaillait, je travaillais. Et le dimanche, je raconte, hein, n'écoute pas. Le dimanche, parce qu'en semaine, les soirs sont courts, on devait se lever le lendemain. Les soirs de la semaine, c'était pas la même chose. Le dimanche, on allait se promener. Toujours et systématique. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Bah, nulle part. Je ne vais nulle part. Où veux-tu que j'aille? Non, je ne bouge pas, j'écoutais. Le dimanche... Bah, reste avec nous, pourquoi non? C'est triste. Ce que je disais, tu le connais plus, le même mauvais caractère, borné, enfant déjà, rien d'autre. Et par plaisir, hein, souvent. Tu le vois là, comme il a toujours été. Bon. Le dimanche, ce que je raconte, le dimanche, nous allions nous promener. Pas un dimanche où on ne sortait pas comme un rite. Je disais cela, un rite, une habitude. On allait se promener, impossible d'échapper. C'est l'histoire d'avant, lorsque j'étais trop petite ou alors je n'existais pas encore. Bon, alors, on prenait la voiture. Aujourd'hui, vous ne faites plus ça. On prenait la voiture. Nous n'étions pas extrêmement riches, mais non, mais nous avions une voiture. Oui. Je crois pas avoir jamais connu ton père sans voiture. Avant même que nous nous marions,
marions, enfin, même que nous, on soit mariés, je le vois déjà, je le regarde, il avait une voiture. Une des premières, hein, dans ce coin-ci. Vieille et laide, et faisant du bruit trop. Oh. Mais bon, c'est une voiture. Il avait travaillé, elle était à lui, c'était la sienne, et il n'en était pas peu fier. Ah, on peut lui faire confiance. Hein. Ensuite, notre voiture plus tard, mais ils ne doivent pas se souvenir, ils ne peuvent pas, ils étaient trop petits, je ne me rends pas compte. Oui, peut-être. Nous en avions changé, notre voiture était longue, plutôt allongée, aérodynamique. Et noir, parce que noir, il disait ça, c'était ses idées, noir, ça serait plus chic, son mot. Mais bien, plutôt parce qu'en fait, il n'en avait pas trouvé d'autre. Rouge, je le connais, rouge, voilà, je crois ce qu'il aurait préféré. Le matin du dimanche, il la lavait, il la stiquait, mais un maniaque, oh! Cela lui prenait des heures. Et l'après-midi, après avoir mangé, on partait. C'est toujours été ainsi, je ne sais pas, plusieurs années, longues et belles années. Tous les dimanches, comme une tradition. Pas de vacances, oh non, 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 pas de vacances. Mais tous les dimanches, qu'il neige, qu'il vente, il disait des choses comme ça, des phrases pour chaque situation de l'existence. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Tous les dimanches, on allait se promener. Quelquefois aussi, c'est le premier dimanche de mai, je ne sais pas pourquoi, une fête peut-être. Le premier dimanche après le 8 mars, qui était la date de mon anniversaire, là. Et puis, alors, lorsque le 8 mars tombait un dimanche, hein, bon. Et encore le premier dimanche des congés d'été. Alors, on disait qu'on partait en vacances. Et on klaxonnait. Et le soir, en rentrant, on disait que tout compte fait, ben, on était mieux à la maison. des âneries. Un peu aussi avant la rentrée des classes, c'était l'inverse là. C'est comme si on rentrait de vacances. Toujours les mêmes histoires. Ah, quelquefois aussi, ce que j'essaye de dire, nous allions au restaurant. Et toujours les mêmes restaurants, ça, pas très loin, les patrons nous connaissaient, on y mangeait toujours les mêmes choses, les spécialités, et puis les saisons. La friture de carpe ou des grenouilles à la crème, mais ceux-là, ils n'aiment pas ça. Après, ils eurent 13 ou 14 ans, Suzanne était petite. Ils s'aimaient pas beaucoup, ils se chamaillaient toujours, ça mettait leur père en colère. Et ce furent les dernières fois. Et puis, plus rien n'était pareil. Je sais pas pourquoi je raconte ça. Je me tais. Ah, des fois encore, des pique-niques. Et c'est tout, on allait au bord de la rivière, oh là là. Bon, c'était l'été, on mange sur l'herbe, salade de thon avec du riz, de la mayonnaise et des œufs durs. Celui-là, il aime toujours autant les œufs durs. Et ensuite, on dormait un peu, leur père et moi, sur une couverture, une vieille couverture verte et rouge. Et eux, ils allaient jouer à se battre. C'était bien. Après, bon, c'est pas méchant ce que je dis, mais après ces deux-là, ils sont devenus trop grands, je sais plus. Parce qu'on peut savoir comment tout disparaît. Ils ne voudront plus venir avec nous, ils allaient chacun de leur côté faire de la bicyclette. Chacun pour soi. Mais puis, nous seulement avec Suzanne, ça valait plus la peine. Ah, oh, ça va être de notre faute. Oh, bah, la mienne. C'était il y a 10 jours à peine, peut-être. Où est-ce que j'étais? Ça devait être il y a 10 jours. Et c'est peut-être aussi pour cette unique et infime raison que j'ai décidé de revenir ici. Je me suis levé et j'ai dit que je viendrais les voir, rendre visite.
Et ensuite, les jours suivants, malgré les excellentes raisons que je me suis données, je n'ai plus changé d'avis. Il y a 10 jours, j'étais dans mon lit et je me suis éveillé calmement, paisible. Ça fait longtemps, aujourd'hui 1 an, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ça fait longtemps que ça ne m'arrive plus et que je me retrouve toujours chaque matin avec juste en tête pour commencer à nouveau, juste en tête l'idée de ma propre mort à venir. Je me suis éveillé calmement, paisible, avec cette pensée étrange et claire. Je ne sais pas si je pourrais bien la dire. Avec cette pensée étrange et claire que mes parents et les gens encore, tous les autres dans ma vie, les gens les plus proches de moi, que mes parents et tous ceux que j'approche ou qui s'approchèrent de moi, mon père aussi par le passé, admettons que je m'en souvienne, ma mère, mon frère là aujourd'hui et ma sœur encore, que tout le monde, après s'être fait une certaine idée de moi, un jour ou l'autre ne m'aime plus, ne m'aima plus et qu'on ne m'aime plus. Ce que je veux dire, au bout du compte, comme par découragement, comme par lassitude de moi, qu'on m'abandonna toujours car je demande l'abandon. C'était cette impression, je ne trouve pas les mots. Lorsque je me réveillais, un instant on sort du sommeil, tout est limpide, on croit le saisir pour disparaître aussitôt, qu'on m'abandonna toujours, peu à peu, à moi-même, à ma solitude, au milieu des autres, parce qu'on ne saurait m'atteindre, me toucher, et qu'il faut renoncer, et on renonce à moi. Ils renoncèrent à moi, tous, d'une certaine manière, après avoir tant cherché à me garder auprès d'eux, à me le dire aussi, parce que je les en décourage, et parce qu'ils veulent comprendre que me laisser en paix, semblant ne plus se soucier de moi, c'est m'aimer plus encore. Je compris que cette absence d'amour, dont je me plains et qui toujours fut pour moi l'unique raison de mes lâchetés, sans que jamais jusqu'alors je ne la voie, que cette absence d'amour fit toujours plus souffrir les autres que moi. Je me réveillais avec l'idée étrange et désespérée et indestructible encore qu'on m'aimait déjà comme on voudrait m'aimer mort, sans pouvoir et savoir jamais rien me dire. Vous dites rien. Pardon. Vous entend pas. Non, je sais pas. Enfin, que voulez-vous que je dise? Je suis désolé hein, pour l'incident tout à l'heure. Je voulais que vous le sachiez. Je sais pas pourquoi il a dit ça. J'ai pas compris. Antoine, il veut toujours que je ne m'intéresse pas. Il a dû vous prévenir contre moi. Non, j'y songeais pas. J'y songeais plus. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi dites-vous ça? Il a dû vous prévenir contre moi. Qu'il a dû me prévenir contre vous, c'est une drôle d'idée. Il parle de vous comme il doit et il n'en parle de toute façon pas souvent. Ou presque jamais. Moi, je ne crois pas qu'il parle de vous et jamais en ces termes. Rien entendu de tel, vous vous trompez. Il croit, je crois cela. Il croit que vous ne voulez rien savoir de lui, c'est ça. Que vous ne voulez rien savoir de sa vie, que sa vie, ce n'est rien pour vous. Moi, les enfants, tout ça, son métier, le métier qu'il fait. Vous connaissez son métier? Vous savez ce qu'il fait dans la vie? On ne dit pas vraiment un métier. Vous, vous avez un métier. Un métier, c'est ce qu'on a appris, ce pour quoi on s'est préparé. Je ne me trompe pas? Vous connaissez sa situation? Elle n'est pas mauvaise, elle pourrait être plus mauvaise, hein, elle n'est pas mauvaise du tout. Sa situation, vous ne la connaissez pas.
Est-ce que vous connaissez son travail, ce qu'il fait? Et ce n'est pas un reproche, ça m'ennuierait que vous le preniez ainsi. Si vous le prenez ainsi, ce n'est pas bien, et vous avez tort, ce n'est pas un reproche. Moi-même, je veux dire, moi-même, je saurais exactement, avec exactitude, je ne saurais vous dire son rôle. Il travaille dans une petite usine d'outillage, par là. On dit ça, une petite usine d'outillage. Je sais où c'est, parce que parfois, je vais l'attendre. Maintenant, presque plus, mais avant, j'allais l'attendre. Il construit des outils. Ben, j'imagine. C'est logique, je suppose. Mais qu'est-ce qu'il y a à raconter? Il doit construire des outils. Mais je ne saurais pas non plus expliquer toutes les petites opérations qu'il accumule chaque jour. Et je ne saurais pas vous reprocher de ne pas le savoir non plus, non. Mais lui, il peut en déduire. Et il en déduit certainement que sa vie ne vous intéresse pas. Ou si vous préférez, je ne voudrais pas avoir l'air de vous faire un mauvais procès. Il croit probablement, je pense qu'il est ainsi, et vous devez vous en souvenir, il ne devait pas être différent plus jeune. Il croit probablement que ce qu'il fait n'est pas intéressant ou susceptible. Le mot exact, susceptible de vous intéresser. Et ce n'est pas être méchante. Méchant, peut-être. Et ce n'est pas être méchant, oui, que de penser qu'il n'a pas totalement tort. Vous ne croyez pas? Ou je me trompe? Je suis en train de me tromper. Ce n'est pas être méchant, en effet, c'est plus juste. Je souhaite, quant à moi, ce que je souhaiterais, je serais heureux de... Ne me dites rien. Je vous interromps. Il est bien préférable que vous ne me disiez rien et que vous lui disiez à lui ce que vous avez à lui dire. Je pense que c'est mieux. Et vous n'y verrez pas d'inconvénient. Moi, je ne compte pas et je ne rapporterai rien. Je suis ainsi. Ce n'est pas mon rôle, ou pas comme ça, du moins que je l'imagine. Bah, vous voici à votre tour, prévenu contre moi. J'ai rien à dire ou ne pas dire, je vois pas. Bah, très bien, parfait alors. À plus forte raison. Cette fille-là, on ne croit pas la première fois on la regarde. On la suppose fragile et démunie, tuberculeuse ou orpheline depuis 5 générations. Mais on se trompe. Faut pas s'y fier. Elle sait choisir et décider. Elle est simple, claire, précise. Elle énonce bien. Toujours comme ça, toi, Suzanne. Hmm. Moi? Oui, comme ça. Donnant ton avis? Non. On va dire de moins en moins. Aujourd'hui, un petit peu, mais presque plus. Dernière salve en ton honneur pour te donner des regrets. Oui? Pardon? Quoi? En général, à l'ordinaire, Antoine, à ce moment-là, Antoine me dit... Mais ta gueule, Suzanne! Ah, excuse-moi, je savais pas. Ta gueule, Suzanne. Ça me regarde pas. Je me mêle souvent de ce qui ne me regarde pas, je ne change pas, j'ai toujours été ainsi. Ils veulent te parler, tout ça. Je les ai entendus, mais aussi je les connais, je sais. Comment est-ce que je ne saurais pas? Je n'aurais pas entendu, je pourrais plus simplement encore deviner. Je devinerais de moi-même, ça revient au même. Ils veulent te parler. Ils ont su que tu revenais, ils ont pensé qu'ils pourraient te parler. Un certain nombre de choses à te dire depuis longtemps. Et la possibilité, enfin. Ils voudront t'expliquer, mais ils t'expliqueront mal. Car ils ne te connaissent pas, ou mal. Suzanne ne sait pas qui tu es, c'est pas connaître, ça c'est imaginer. Toujours elle imagine. Mais elle ne sait rien de la réalité. Et Antoine, c'est différent. Il te connaît, mais à sa manière, comme tout et tout le monde. Comme il connaît chaque chose, comme il veut la connaître.
s'en faisant une idée, ne voulant plus en démordre. Ils voudront t'expliquer. Et il est probable qu'ils le feront, et maladroitement, ce que je veux dire. Car ils auront peur du peu de temps que tu leur donnes, du peu de temps que vous passerez ensemble. Et moi non plus, je ne me fais pas d'illusions. Hein. Moi aussi, je me doute que tu ne vas pas traîner très longtemps auprès de nous dans ce coin-ci. Tu t'es à peine arrivé, je t'ai vu. Tu t'es à peine arrivé, tu pensais déjà que tu avais commis une erreur. Et t'aurais voulu aussitôt repartir. Tu ne me dis pas le contraire. Ne hein. me dis pas le contraire. Et ils auront peur. C'est la peur, là aussi. Ils auront peur du peu de temps. Ils s'y prendront maladroitement. Et ça sera mal dit ou trop vite, d'une manière trop abrupte, ce qui revient au même. Et brutalement encore, car ils sont brutaux. Ils l'ont toujours été, ne cessent de le devenir. Et durs aussi. C'est leur manière. Et tu comprendras pas. Je sais que ça se passera comme ça s'est toujours passé. Tu répondras à peine deux ou trois mots et tu resteras calme, comme tu l'as appris à l'être par toi-même. Ça, c'est pas moi ou ton père encore moins. C'est pas moi qui t'avons appris cette façon si habile, détestable, d'être paisible en toutes circonstances. Ça ne me souvient pas de quand je ne suis pas responsable. Et tu répondras à peine deux ou trois mots. Tu souriras. La même chose, tu leur souriras. Et plus tard, ils se souviendront ensuite, par la suite, le soir, en s'endormant, ils ne se souviendront que de ce sourire. Et c'est la seule réponse qu'ils voudront garder de toi, c'est ce sourire qu'ils ressasseront. Ils ressasseront encore, rien ne sera changé, bien au contraire. Et ce sourire aura aggravé les choses entre vous. Ça sera comme la trace du mépris, la pire des plaies. Tu peux pas, arrête là s'il te plaît, hein? Viens là, suffit. Elle, Suzanne, elle sera triste à cause de ces deux ou trois mots, à cause de ces juste deux ou trois mots jetés en pâture. Et à cause de ce sourire là, que j'ai dit, et à cause de juste deux ou trois mots, Antoine sera plus dur encore et plus brutal. Lorsqu'il devra parler de toi, ou silencieux, refusant d'ouvrir la bouche, ce qui serait plus mal encore. Suzanne voudrait partir. Elle te l'a déjà dit peut-être, aller loin, vivre une autre vie, ce qu'elle croit. Dans un autre monde, ces histoires-là. Rien de bien différent, si je m'en souviens, et je m'en souviens, rien de bien différent de toi, plus jeune qu'elle. Et rien de moins grave encore. Le même abandon. Lui, Antoine, il voudrait plus de liberté. Je ne sais pas, le mot qu'il emploie lorsqu'il est en colère. On ne le croirait pas à le voir, mais souvent, il est un homme en colère. Il voudrait pouvoir vivre autrement avec sa femme et ses enfants et ne plus rien devoir. C'est autre idée qui lui tient à cœur et qu'il répète à la nappe, plus rien devoir. À qui ? À quoi ? Je sais pas. Qu'une phrase qu'il dit parfois de temps à autre, ne plus rien devoir. Bon, je l'écoute. Hein. Tout ça, mais rien de plus. Et c'est à toi qu'ils veulent demander ça. C'est à toi qu'ils semblent vouloir demander l'autorisation. C'est une idée étrange. Et tu te dis que tu ne comprends pas, qu'ils te doivent rien, que tu ne leur dois rien et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur vie.
Et d'une certaine manière, cela, c'est pas te faire injure, ça t'est bien égal. Hein. Et ne te concerne pas. T'as peut-être pas tort. Mais il y a trop de temps passé. Toute l'histoire vient de là. Tu voulus jamais être responsable. Et on ne saurait jamais t'y obliger. Enfin, tu te dis peut-être, je sais pas, moi je parle, tu te dis peut-être que je me trompe, hein, que j'invente et qu'ils n'ont rien à te dire. Que la journée se terminera comme elle a commencé, ainsi, sans nécessité. Sans importance. Bon, peut-être. Mais ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient, c'est que tu les encourages, peut-être. Est-ce qu'ils ne manquèrent pas toujours de ça, qu'on les encourage? Que tu les encourages? Ou que tu les autorises? Ou que tu leur interdises de faire telle ou telle chose que tu dises à Suzanne, même si c'est pas vrai. Un mensonge, qu'est-ce que ça fait? C'est juste une promesse qu'on fait en sachant par avance qu'on ne la tiendra pas. Que tu dises à Suzanne de venir parfois deux ou trois fois l'an te rendre visite. Qu'elle pourrait te rendre visite si l'envie lui vient, si l'envie la prenait. Qu'elle pourrait aller là où tu vis maintenant. Nous ne savons pas où tu vis. Qu'elle peut bouger et partir et revenir encore et que tu t'y intéresses. Non que tu parais t'y intéresser, mais que tu t'y intéresses, que tu t'en soucies. Voilà. Et que tu lui donnes à lui, Antoine, le sentiment qu'il n'est plus responsable de nous, d'elle ou de moi, il ne l'a jamais été, ça je sais mieux que quiconque, mais il a toujours cru qu'il l'était, il a toujours voulu le croire. Et c'était toujours ainsi toutes ces années. Il se voulait responsable de moi et responsable de Suzanne. Et rien ne lui semble autant un devoir dans la vie. Et une douleur aussi. Une sorte de crime pour voler un rôle qui n'est pas le sien. Que tu lui donnes le sentiment, l'illusion. Que tu lui donnes l'illusion. Qu'il pourrait à son tour, à son heure, m'abandonner. Commettre une lâcheté comme celle-là. À ses yeux, j'en suis certaine, c'en est une. Qu'il aurait le droit, qu'il en est capable, il ne le fera pas. Il se construira d'autres embûches, où il se l'interdira pour des raisons plus secrètes encore. Mais il aimerait tellement l'imaginer, oser l'imaginer. Un garçon qui imagine si peu, ça me fait souffrir. Ils voudraient tous les deux que tu sois là, plus présent, plus souvent présent. Qu'ils puissent te joindre, t'appeler, se quereller avec toi et se réconcilier et perdre le respect, ce fameux respect obligé pour les frères aînés. Absent ou étrange. Tu serais un peu responsable. Ils deviendraient à leur tour, ils en auraient le droit, et ils pourraient en abuser. Ils deviendraient à leur tour, enfin, des tricheurs à part entière. Petit sourire. Juste ces deux ou trois mots? Non. Juste le petit sourire. Là, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Tu as quel âge? Quel âge est-ce que tu as aujourd'hui? Moi? Tu demandes? J'ai 34 ans. 34 années? Ça fait 34 années pour moi aussi. Ça fait beaucoup. Ça fait combien de temps? C'est
c'est l'après-midi. Toujours été ainsi. Le repas dure plus longtemps. On n'a rien à faire, on étend les jambes. Vous voulez encore du café? Tu vas le vouvoyer toute ta vie? Ils vont se vouvoyer toujours? Suzanne, ils font comme ils veulent. Mais merde, toi, la fin. Je te cause pas, je te parle pas, c'est pas à toi que je parle. Mais non, il a fini de s'occuper de moi comme ça tout le temps. Tu vas t'occuper de moi tout le temps? Je te demande rien, qu'est-ce que j'ai dit? Comment est-ce que tu me parles? Tu me parles comme ça? Jamais je ne t'ai entendu. Elle veut avoir l'air. Ah, c'est parce que Lou est là. C'est parce que tu es là. Tu es là et elle veut avoir l'air. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Louis? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas parce que Louis est là. Qu'est-ce que tu dis? Et merde, en fait! Merde, merde encore! T'es compris? Entendu? Saisi? Et bras d'honneur. Bras d'honneur si nécessaire. Suzanne! Mais la laisse pas partir. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu devrais la rattraper. Ah, elle reviendra. Hein. Oui, je veux bien un peu de café. Je veux bien. Oui, je veux bien un peu de café. Je veux bien. Oh, Antoine. Quoi? Tu te payais ma tête, ça? T'essayais? Tous les mêmes. Vous êtes tous les mêmes. Mais Antoine, Suzanne, mais où est-ce que tu vas? Oh, ils reviendront. Ils reviennent toujours. Allez. Ah, je suis contente. Je l'ai pas dit, mais je suis contente que nous soyons là, tous réunis. Hein? Où est-ce que tu vas, Louis? Au début, ce que l'on croit, j'ai cru cela. Ce qu'on croit toujours, j'imagine, c'est rassurant. C'est pour avoir moins peur. On se répète à soi-même cette solution, comme aux enfants qu'on endort. Ce qu'on croit un instant, on l'espère, c'est que le reste du monde disparaîtra avec soi. S'éteindre. S'engloutir et ne plus survivre. Ne plus me survivre. Tous partir avec moi et m'accompagner et ne plus jamais revenir. Que je les emporte et que je ne sois pas seul. Ensuite, mais c'est plus tard, l'ironie est revenue. Elle me rassure et me conduit à nouveau. Ensuite, on songe, je songeais, on songe à voir les autres, le reste du monde après la mort. On les jugera. On les imagine à la parade. On les regarde. Ils sont à nous maintenant, on les observe et on ne les aime pas beaucoup. Les aimer trop rendrait tristes et amers et ce ne doit pas être la règle. On les devine par avance. On s'amuse. Je m'amusais. On les organise et on fait et refait l'ordre de leur vie. On se voit aussi allongés, les regardant, des nuages, je ne sais pas, comme dans les livres d'enfance, c'est une idée que j'ai. Que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là? On voudrait commander, régir, profiter médiocrement de leur désarroi et les mener encore un peu. On voudrait les entendre, je ne les entends pas. Leur faire dire des bêtises définitives et savoir enfin ce qu'ils pensent. On pleure. On est bien. Je suis bien. Parfois, c'est comme un sursaut. Parfois, je m'agrippe encore. Je deviens haineux. Haineux et enragé. Je fais les comptes, je me souviens. Je mords, il m'arrive de mordre. Ce que j'avais pardonné, je le reprends. Un noyé qui tuerait ses sauveteurs, je leur plonge la tête dans la rivière. Je vous détruis sans regret, avec férocité. Je dis du mal. Je suis dans mon lit, c'est la nuit, et parce que j'ai peur, je ne saurais m'endormir, je vomis la haine. Elle m'apaise et m'épuise, et cet épuisement me laissera enfin disparaître. Demain, je suis calme à nouveau, lent et pâle. Je vous tue les uns après les autres. Vous ne le savez pas. Et je suis l'unique survivant. Je mourrai le dernier. Je suis un meurtrier et les meurtriers ne meurent pas. Il faudra m'abattre. Je pense du mal. Je n'aime personne. Je ne vous ai jamais aimé. C'était des mensonges.
Je n'aime personne et je suis solitaire. Et solitaire, je ne risque rien. Je décide de tout. La mort aussi, elle est ma décision. Et mourir vous abîme, et c'est vous abîmer que je veux. Je meurs par dépit, je meurs par méchanceté et mesquinerie. Je me sacrifie. Vous souffrirez plus longtemps et plus durement que moi, et je vous verrai, je vous devine, je vous regarderai, et je rirai de vous, et haïrai vos douleurs. Pourquoi la mort devrait-elle me rendre bon? C'est une idée de vivant, inquiet de mes possibles égarements. Mauvais et médiocre, je n'ai plus que de minuscules craintes et infimes soucis. Rien de pire. Que ferez-vous de moi et de toutes ces choses qui m'appartenaient? C'est pas beau. Mais ne pas être beau me laissera moins regrettable. Plus tard encore, c'est il y a quelques mois, je me suis enfui. Je visite le monde. Je veux devenir voyageur. Errer. Tous les agonisants ont ces prétentions. Se fracasser la tête contre les vitres de la chambre, donner de grands coups d'aile imbécile. Errer. Perdu, déjà. Et croire disparaître, courir devant la mort. Prétendre la semer. Qu'elle ne puisse jamais m'atteindre ou qu'elle ne sache jamais où me retrouver. Là où j'étais et fus toujours, je ne serai plus. Je serai loin, caché dans les grands espaces, dans un trou, à me mentir et ricaner. Je visite. J'aime être dilettante. Un jeune homme faussement fragile qui s'étiole et prend des pauses. Je suis un étranger. Je me protège. J'ai les mines de circonstances. Il aurait fallu me voir avec mon secret dans la salle d'attente des aéroports. J'étais convaincant. La mort prochaine et moi, nous faisons nos adieux, nous nous promenons, nous marchons la nuit dans les rues désertes, légèrement embrumées, et nous nous plaisons beaucoup. Nous sommes élégants et désinvoltes, nous sommes assez joliment mystérieux. Nous ne laissons rien deviner, et les réceptionnistes la nuit éprouvent du respect pour nous. Nous pourrions les séduire. Je ne faisais rien. Je faisais semblant. J'éprouvais la nostalgie. Je découvre des pays. Je les aime littéraires. Je lis des livres. Je revois quelques souvenirs. Je fais parfois de longs détours pour juste recommencer. Et d'autres jours, sans que je sache ou comprenne, il m'arrivait de vouloir tout éviter et ne plus reconnaître. Je ne crois en rien. Mais lorsqu'un soir, sur le quai de la gare, c'est une image assez convenue, dans une chambre d'hôtel, celui-là, hôtel d'Angleterre, Neuchâtel, Suisse, ou un autre d'ailleurs, hôtel du roi de Sicile, peu importe, c'est à mes bien égal, ou dans la seconde salle à manger d'un restaurant plein de joyeux fêtards, où je dînais seul, dans l'indifférence et le bruit, on vint doucement me tapoter à l'épaule, en me disant avec un gentil sourire de gamin égaré. À quoi bon ? Ce à quoi bon, rabatteur de la mort, elle m'avait enfin retrouvé sans m'avoir cherché, ce à quoi bon me ramena à la maison, m'y renvoya, m'encourageant à revenir de mes dérisoires et vaines escapades et m'ordonnant désormais de cesser de jouer. Il est temps. Je traverse à nouveau le paysage en sens inverse. Chaque lieu, même le plus laid ou le plus idiot, je veux noter que je le vois pour la dernière fois. Je prétends le retenir. Je reviens et j'attends. Je me tiendrai tranquille maintenant. Je promets, je ne ferai pas d'histoire. Digne et silencieux, ces mots qu'on emploie. Je perds. J'ai perdu. Je range, je mets de l'ordre. Je viens ici rendre visite. Je laisse les choses en l'état. J'essaie de terminer, de tirer des conclusions, d'être paisible.
Je ne gesticule plus. Et j'émets des sentences symboliques pleines de sous-entendus gratifiants. Je me complais. Rien ne me flatte autant désormais que ma propre angoisse. Il m'arrivait aussi parfois, les derniers temps, de me sourire à moi-même comme pour une photographie à venir. Vos doigts, cela repasse, en prenant garde de ne pas la salir ou d'y laisser de coupables empreintes. Il était exactement ainsi. C'est tellement faux. Si vous réfléchissiez un instant, vous pourriez l'admettre. C'était tellement faux. Je faisais juste mine de... Je ne suis pas arrivé ce matin. J'ai voyagé cette nuit. Je suis parti hier soir. Je voulais arriver plus tôt et j'ai renoncé en cours de route. Je me suis arrêté. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'étais à la gare ce matin, dès 3 ou 4 heures. J'attendais le moment décent pour venir ici. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Mais qu'est-ce que je dois répondre? Je dois répondre quelque chose? Ben, je sais pas, non. Enfin, je te dis ça, je voulais que tu le saches. Ben, c'est pas important. Je le dis parce que c'est vrai et je voulais te le dire. Non, ne commence pas. Hein. Quoi? Ben, tu sais... Ne commence pas. Tu voudras me raconter des histoires? Je vais me perdre. Mais je te vois assez bien. Tu vas me raconter des histoires, tu étais à la gare, tu attendais. Et peu à peu, tu vas me noyer. Bon. Tu as voyagé cette nuit. C'était bien? Comment est-ce que c'était? Ah, mais je disais ça, c'est sans importance. Oui, c'était bien. Enfin, je sais pas, c'est un voyage assez banal. Vous semblez toujours vouloir croire que j'habite à des milliers, centaines, milliers de kilomètres. J'ai voyagé, c'est tout. Je dis rien si tu veux rien dire. Mais ce n'est pas le problème. Je n'ai rien dit, je t'écoute. Tout de suite, aussitôt, je ne t'empêchais pas. Oui? La gare? Non, rien. Rien qui vaille la peine, rien d'essentiel, je dis ça. C'est... Je pensais que peut-être t'aurais été heureux, bon, pas heureux, content. Je pensais que t'aurais pu être content que je te le dise, de le savoir. Ouais. Heureux de le savoir. J'étais au buffet de la gare, je sais pas à quelle heure je suis arrivé, vers 4 heures peut-être, j'étais au buffet et j'attendais. Ah, j'étais là. J'allais pas venir directement ici. Manquer si longtemps et débarquer ainsi à l'improviste. Non, ils auraient pu avoir peur. Ou encore, elle m'aurait pas ouvert. J'imagine assez Suzanne, là, comme je la vois, je la découvre. J'imagine assez Suzanne me recevant avec une carabine. Non, j'attendais et je me suis dit, j'y pensais, c'est pour ça que j'en ai parlé. Ce sont des idées qui traversent la tête et on se dit plus tard qu'on devra les répéter. Là, des recommandations qu'on se fait. Donc je me suis dit, je me suis fait la recommandation, donc, de te le dire plus tard lorsque je te verrai. Et aussi, oui, de ne le dire qu'à toi. Surtout. C'est bien le but. Leur cacher. Car elle pourrait être fâchée. Ah, je me suis dit que je te dirais que j'étais arrivé beaucoup plus tôt et que j'avais traîné un peu. C'est cela. C'est exactement cela. Je disais, les histoires. Et après, on se noie. Et moi, faut que j'écoute et je saurai jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. La part du mensonge. T'es comme ça, s'il y a bien une chose... Non, c'est pas la seule. S'il y a bien une chose que je n'ai pas oubliée en songeant à toi, c'est tout cela. Ces histoires pour rien. Des histoires, je ne comprends rien. Tu ne disais rien. Tu buvais ton café, tu devais boire un café, et tu avais mal au ventre parce que tu ne fumes pas, et que les endroits comme celui-là, tôt le matin, et je le sais mieux que toi, hein, les endroits comme celui-là puent la fumée et donnent envie de dégueuler. Avec la fumée qui te descend, et te donne mal à la tête et aux yeux. Tu lisais le journal.
Tu dois être devenu ce genre d'homme là qui lise les journaux, des journaux que je ne lis jamais. Parfois, assis en face de moi, je vois des hommes qui lisent ces journaux là, et je pense à toi. Et je me dis, voilà des journaux que doit lire mon frère. Il doit ressembler à ces hommes-là. Et j'essaye de lire à l'envers, et puis aussitôt j'abandonne et je m'en fiche. Ben, je fais comme je veux, hein. Tu essayais de lire le journal. Parce que le dimanche matin, au buffet de la gare, t'as tous les gosses qui sont allés faire la fête et ils font du bruit, ils continuent à s'amuser. Et toi, dans ton coin, tu peux même pas lire. Te concentrer sur ta lecture et la fumée de cigarette te donne juste envie de repartir, c'est à cela que tu penses. Point. Tu regrettes d'avoir fait ce voyage. Tu ne regrettes pas? Tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu n'en connais pas la raison. Moi non plus, hein. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi tu es venu. Hein. Et personne ne comprend. Et tu veux regretter qu'on ne sache pas. Parce que si nous savions, si je savais, les choses te seraient plus faciles, moins longues, tu serais déjà débarrassé de cette corvée. Tu es venu parce que tu l'as décidé, ça t'a pris un jour, l'idée, juste une idée. Comment est-ce que tu as dit? Une recommandation que tu t'es fait? Faites? Merde! Ou encore depuis de nombreuses années. Est-ce que je sais? Comment est-ce que je pourrais savoir? Peut-être depuis le premier jour, à peine parti dans le train, ou dès le lendemain. Aussitôt, toujours été comme ça, à regretter tout et son contraire. Depuis de nombreuses années maintenant, tu te disais, tu ne te cessais de le répéter, tu te disais que tu devrais bien un jour revenir nous rendre visite. Nous voir, nous revoir. Et là, subitement, tu t'es décidé, juste pas. Tu crois que c'est important pour moi? Tu te trompes. Ce n'est pas important pour moi. Cela ne peut plus l'être. Tu ne te disais rien. Je sais, je te vois. Tu ne te disais rien. Tu ne pensais pas que tu me dirais quelque chose. Que tu me dirais quoi que ce soit. Ce sont des sottises. Tu inventes. C'est là, à l'instant. Tu m'as vu. Et tu as inventé tout ça pour me parler. Tu ne te disais rien parce que tu ne me connais pas. Tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. Ce sont aussi des sottises. Tu ne me connais plus. Il y a bien longtemps que tu ne me connais plus. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne l'as jamais su. C'est pas de ta faute, hein. C'est pas de la mienne non plus. Hein. Moi non plus, hein, je ne te connais pas. Mais moi, je ne prétends rien. On ne se connaît pas. Et on ne s'imagine pas qu'on dira telle ou telle chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on imagine, on l'imagine aussi. C'est des histoires et rien d'autre. Ce que tu veux, ce que tu voulais, tu m'as vu. Et tu ne savais pas comment m'attraper. Comment me prendre. Vous dites toujours ça, vous. On ne sait pas comment le prendre. Et aussi, je vous entends. Non, mais il faut savoir le prendre. Comme on le dit d'un homme méchant et brutal. Tu voulais m'attraper et tu as acheté ça. Tu entames la conversation, tu sais bien faire. Tu sais bien faire, ça c'est une méthode. C'est juste une technique pour noyer et tuer les animaux. Mais moi, je ne veux pas. Mais j'ai pas envie. Pourquoi tu es là, je ne veux pas le savoir. Tu as le droit, c'est tout, et rien de plus. Et ne pas être là, tu as le droit également. Mais c'est pareil pour moi. Ici, d'une certaine manière, c'est chez toi. Et tu peux y être chaque fois que tu le souhaites, et encore, tu peux en partir, tu as le droit. Cela ne me concerne pas. Tout n'est pas exceptionnel, hein, dans ta vie. Hein. Dans ta petite vie. Parce que si c'est une petite vie aussi, je dois pas avoir peur de ça. Tout n'est pas exceptionnel. Tu ne peux pas tout rendre exceptionnel. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel, mais tout ne l'est pas. Où est-ce que tu vas? Je ne veux pas être là. Tu vas me parler maintenant? Tu vas me parler, tu voudras me parler, il faudra que j'écoute. Et je n'ai pas envie d'écouter.
Je ne veux pas, j'ai peur. Faut toujours que vous me racontiez tout. Hein. Toujours, tout le temps. Hein. Depuis toujours, vous me parlez, moi, je dois écouter. Les gens qui ne disent jamais rien, on croit juste qu'ils veulent entendre, mais souvent, tu ne sais pas. Je me taisais pour donner l'exemple. Catherine ! C'est comme la nuit en pleine journée. On ne voit rien. J'entends juste les bruits, j'écoute. Je suis perdu et je ne retrouve personne. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Où est-ce que tu es, Louis? Toi et moi. Ce que tu veux. Je t'entendais. Tu criais. Non. Et j'ai cru que tu criais. Je croyais t'entendre, je te cherchais. Vous vous disputiez. Vous vous êtes retrouvés? Je me suis énervé, on s'est énervé. Je ne pensais pas qu'il en serait ainsi, mais à l'ordinaire, les autres jours, nous ne sommes pas comme ça. Nous n'étions pas comme ça, je ne crois pas. Pas toujours comme ça. Les autres jours, nous allons chacun de notre côté, on ne se touche pas. Et nous nous entendons. C'est l'amour. Et ensuite, dans mon rêve encore, toutes les pièces de la maison étaient loin les unes des autres, et jamais je ne pouvais les atteindre. Il fallait marcher pendant des heures, et je ne reconnaissais rien. Louis ! Et pour ne pas avoir peur, comme lorsque je marche dans la nuit, je suis enfant, et il faut maintenant que je revienne très vite, je me répète cela, ou bien plutôt je me le chantonne pour entendre juste le son de ma voix, et plus rien que cela, je me chantonne que désormais, la pire des choses, je le sais bien, la pire des choses serait que je sois amoureux. La pire des choses, que je veuille attendre un peu. La pire des choses... Ce que je ne comprends pas. Moi non plus. Tu ris? Je ne te vois jamais rire. Ce que nous ne comprenons pas. Antoine ! Oui ! Ce que je ne comprends pas et n'ai jamais compris. Et peu probable que je ne comprenne jamais. Que je ne comprenne jamais. Louis ! Oui ! On est là ! Ce que tu ne comprends pas ? C'était pas si loin. Il aurait pu venir nous voir plus souvent. Rien de bien tragique non plus, pas de drame, de trahison. Cela que je ne comprends pas, ou ne peux pas comprendre. Comme ça ? Il n'y a pas d'autre explication. Rien de plus. Toujours été ainsi. Désirable. Je ne sais pas si on peut dire ça. Désirable et lointain. Distant. Rien qui se prête mieux à la situation. Parti et n'ayant jamais éprouvé le besoin ou la simple nécessité. Où est-ce qu'ils sont? Qui? Bah eux, les autres. J'entends plus personne. Vous vous disputiez, Antoine et vous, je me trompe pas. On entendait Antoine s'énerver. Et c'est maintenant comme si tout le monde était parti et que nous soyons perdus. Je sais pas, ils doivent être par là. Où est-ce que vous allez, Antoine ? Oui ! Et que je sois malheureuse. Que je puisse être triste et malheureuse. Mais tu ne l'es pas. Tu ne l'as jamais été. C'est lui, l'homme malheureux. Celui-là qui ne te voyait plus pendant toutes ces années. Tu crois aujourd'hui que tu étais malheureuse ? Mais vous êtes semblables, lui et toi. Et moi aussi, je suis comme vous. Hein. Tu as seulement décidé que tu l'étais, que tu devais l'être, et tu as voulu le croire. Tu voulais être malheureuse parce qu'il était loin, mais ce n'est pas la raison. Ce n'est pas une bonne raison. Tu ne peux pas le rendre responsable. Ce n'est pas une raison du tout. C'est juste un arrangement. Je vous cherchais. Bah, j'ai pas bougé, je vous avais pas entendu. C'était Louis, j'écoutais, c'était Louis. Il est parti par là. Oh. Louis ! Oui ! On est là ! Pourquoi est-ce que tu ne réponds jamais quand on t'appelle ? Elle t'a appelé. Catherine t'a appelé. Et parfois, nous aussi, nous t'appelons, mais tu ne réponds jamais. Et alors, il faut te chercher. On doit te chercher. Vous me retrouvez toujours. Jamais perdu bien longtemps. Il n'y a pas le souvenir que vous m'ayez jamais, au bout du compte, que vous m'ayez jamais définitivement perdu. Juste là, tout près. Hein. On peut me mettre la main dessus. Hein. Tu peux essayer de me rendre plus triste encore ou mauvaise, qui revient au même. Ça ne marche pas. Toi aussi, tu as tes petits arrangements. Je les connais. Tu crois que je ne les connais pas? Ce que je disais, retrouver. Quoi? Je n'ai pas compris. Mais c'est malin, hein, ce que tu as dit. Je n'ai pas compris. Reviens! Ta gueule, Suzanne!
Louis, tu m'attendais pas? Tu ne m'entendais pas, j'appelais. J'étais là, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. C'est rien, je croyais que tu étais parti. Et plus tard, vers la fin de la journée, c'est exactement ainsi, lorsque j'y réfléchis, que j'avais imaginé les choses. Vers la fin de la journée, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur, c'est juste une idée, mais elle n'est pas jouable, sans avoir jamais osé faire tout ce mal, je repris la route. Je demandais qu'on m'accompagne à la gare, qu'on me laisse partir. Je promets qu'il n'y aura plus tout ce temps avant que je revienne. Je dis des mensonges, je promets d'être là à nouveau très bientôt. Des phrases comme ça. Les semaines, les mois peut-être qui suivent, je téléphone, je donne des nouvelles. J'écoute ce qu'on me raconte, je fais quelques efforts. J'ai l'amour plein de bonne volonté. Mais c'était juste la dernière fois. Ce que je me dis, sans le laisser voir. Elle me caresse une seule fois la joue, doucement, comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne je ne sais quel crime, et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette, j'en éprouve du remords. Antoine est sur le pas de la porte, il agite les clés de sa voiture, il dit plusieurs fois qu'il ne veut en aucun cas me presser, qu'il ne souhaite pas que je parte, que jamais il ne me chasse, mais qu'il est l'heure du départ. Et bien que tout cela soit vrai, il semble vouloir me faire déguerpir. C'est l'image qu'il donne, c'est l'idée que j'emporte. Il ne me retient pas. Et sans le lui dire, j'ose l'en accuser. C'est de cela que je me venge. Un jour, je me suis accordé tous les droits. Je vais l'accompagner. Je t'accompagne. Ce que nous pouvons faire, ce qu'on pourrait faire, voilà qui serait pratique. Ce qu'on peut faire, c'est te conduire, t'accompagner en rentrant à la maison. C'est sur la route, sur le chemin, je la fais faire à peine un léger détour. Et nous t'accompagnons, on te dépose. Moi, je peux bien aussi. Vous restez là, nous dînons tous ensemble, je le conduis, c'est moi qui le conduis, et je reviens aussitôt. Mieux encore, mais on ne m'écoute jamais, et tout est décidé, mieux encore... Il dîne avec nous. Tu peux dîner avec nous? Je sais pas pourquoi je me fatigue. Et il prend un autre train. Qu'est-ce que cela fait? Mieux encore. Mais je vois que cela ne sert à rien. Il a dit quelque chose. Ils font comme ils l'entendent. Mieux encore. Je dors ici. Je passe la nuit. Je ne pars que demain. Mieux encore. Je déjeune demain à la maison. Mieux encore. Je ne travaille plus jamais. Je renonce à tout. J'épouse ma sœur, nous vivons très heureux. Non, Suzanne, j'ai dit que je l'accompagnais, est impossible. Tout est réglé, mais elle veut à nouveau tout changer. Tu vois, impossible. Il veut partir ce soir, et toi tu répètes toujours les mêmes choses. Il veut partir, il part. Je l'accompagne, on le dépose, c'est sur notre route. Cela ne nous gênera pas. Cela joint l'utile à l'agréable. C'est cela, voilà, exactement. Comment est-ce qu'on dit? D'une pierre deux coups? Ce que tu peux être désagréable. Je ne comprends pas ça. Tu es désagréable. Tu vois comme tu lui parles? Tu es désagréable, c'est pas imaginable. Moi? C'est de moi? Je suis désagréable? Tu ne te rends même pas compte. Tu es désagréable, c'est invraisemblable. Tu ne t'entends pas? Tu t'entendrais? Qu'est-ce que c'est encore que ça, là? Est impossible aujourd'hui, ce que je disais. Je ne sais pas ce qu'il y a après moi. Je ne sais pas ce que tu as après moi. Hein. Tu es différente. Si c'est Louis, la présence de Louis, je ne sais pas, hein, j'essaie de comprendre. Si c'est Louis, Catherine, je ne sais pas, je ne disais rien. Peut-être que j'ai cessé tout à fait de comprendre. Catherine, aide-moi. Je ne disais rien. On règle le départ de Louis. Il veut partir. Je l'accompagne, je dis qu'on l'accompagne, je n'ai rien dit de plus.
Qu'est-ce que j'ai dit de plus? Je n'ai rien dit de désagréable. Pourquoi est-ce que je dirais quelque chose de désagréable? Qu'est-ce qu'il y a de désagréable à cela? Il y a quelque chose de désagréable à ce que je dis? Louis, est-ce que tu en penses? J'ai dit quelque chose de désagréable? Ne me regardez pas tous comme ça! Elle te dit rien de mal. Tu es un peu brutal. On peut rien te dire, tu te rends pas compte, hein. Parfois, tu es un peu brutal. Elle voulait juste te faire remarquer. Je suis un peu brutal? Pourquoi tu dis ça? Non? Je suis pas brutal. Vous êtes terribles tous avec moi. Non, il n'a pas été brutal. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Oh, toi, ça va, la bonté même. Antoine. Je n'ai rien dit, ne me touche pas! Faites comme vous voulez. Je ne voulais rien de mal. Je ne voulais rien faire de mal. Il faut toujours que je fasse mal. Je disais seulement... Cela me semblait bien, ce que je voulais dire. Non, toi non plus, ne me touche pas! Je n'ai rien dit de mal. Je disais juste qu'on pouvait l'accompagner. Et là, maintenant, vous en êtes à me regarder comme une bête curieuse. Il n'y a rien de mauvais dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien dont j'ai pensé cela. Arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile. Hein. Il fait comme il veut, je ne veux plus rien. Je voulais rendre service, mais je me suis trompé. Il dit qu'il veut partir, ça va être de ma faute. Ça va être encore de ma faute. Ça ne peut pas toujours être comme ça. Ce n'est pas une chose juste. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison contre moi. Ça ne peut pas. Je disais seulement. Je voulais seulement dire. Et ce n'était pas en pensant mal. Je disais seulement. Je voulais seulement dire. Pleure pas. Tu me touches. Je te tue. Laisse-le, Louis. Laisse-le maintenant. Je voudrais que vous partiez. Je vous prie de m'excuser, je vous veux aucun mal, mais vous devriez partir. Je crois aussi. Antoine. Regarde-moi. Antoine. Je ne te voulais rien. Ah, je n'ai rien. Je suis désolé. Je suis fatigué, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours fatigué. Depuis longtemps, je pense ça, je suis devenu un homme fatigué. Ce n'est pas le travail, hein. Lorsqu'on est fatigué, on croit que c'est le travail ou les soucis, l'argent, je sais pas, moi. Mais non, non, je suis fatigué, je sais pas dire. Aujourd'hui, je n'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Je ne voulais pas être méchant. Comment est-ce que tu as dit brutal? Je ne voulais pas être brutal. Je ne suis pas un homme brutal, ce n'est pas vrai. C'est vous qui imaginez cela. Vous ne me regardez pas, vous dites que je suis brutal, mais je ne le suis pas, je n'ai jamais été. Tu as dit ça, c'était soudain comme si avec toi, avec tout le monde, là. Ça va maintenant, je suis désolé, ça va maintenant, mais ça va. C'était soudain comme si avec toi, à ton égard, et avec tout le monde, avec Suzanne aussi, et encore avec les enfants, c'était brutal. Comme si on m'accusait d'être un homme mauvais. C'était pas une chose juste, c'était pas exact. Lorsqu'on était plus jeunes, lui et moi... Louis, tu dois t'en souvenir. Lui et moi, on... Elle l'a dit, on se battait toujours. Et toujours, c'est moi qui gagnais. Toujours, parce que je suis plus fort. Et parce que j'étais plus costaud que lui, quoi. Peut-être que, je sais pas, hein. Ou parce que celui-là... Et c'est sûrement plus juste. J'y pense juste un instant, ça me vient en tête, là. Parce que celui-là se laissait battre. Perdait. Et faisait exprès. Se donnait le beau rôle. Juste pas, hein. Et aujourd'hui, ça m'est bien égal. Je n'étais pas brutal. Là non plus, je ne l'étais pas. Je devais juste me défendre. Tout ça, c'est juste pour me défendre. On ne peut pas m'accuser. Ne lui dis pas de partir. Il fait comme il veut, hein. C'est chez lui aussi, hein. Il a le droit, ne lui dis rien. Je vais bien. Suzanne et moi,
C'était pas malin. Hein. Ça me fait rire. Rie avec moi. Mm-hmm. Ça me fait rire. Ne reste pas comme ça. Suzanne? Je n'allais pas le cogner. Hein. Tu n'as pas à avoir peur. Hein. C'est fini. C'était pas malin. Hein. Suzanne et moi, nous devrions être toujours ensemble. On ne devrait jamais se lâcher. Serrer les coudes, comment est-ce qu'on dit? S'épauler. Et on n'est pas trop, hein. De deux contre celui-là. Tu n'as pas l'air de te rendre compte, mais... Il faut au moins être deux contre celui-là. Je dis ça, ça me fait rire. Ah, toute la journée d'aujourd'hui, tu t'es mise avec lui. Tu ne le connais pas. Il n'est pas mauvais. Non, c'est pas ce que je dis, mais... Mais tu as tout de même tort. Il n'est pas totalement bon non plus, tu te trompes. Et ce n'est pas malin. Voilà, c'est ça. C'est pas malin. Bêtement, là, de faire front contre moi. Personne n'est contre toi. Oui, sûrement. C'est possible. Et puis encore, un peu plus tard, nous ne bougeons presque plus. Nous sommes là toutes les trois, comme absentes. On les regarde. On se tait. Tu dis qu'on ne t'aime pas? Je t'entends dire ça, mais toujours je t'ai entendu. Je ne garde pas à l'idée à aucun moment de ma vie que tu n'aies pas dit ça. À un moment ou un autre, aussi loin que je puisse remonter en arrière, je ne garde pas la trace que tu n'aies pas fini par dire. Et c'est ta manière de conclure si tu es attaqué. Je ne garde pas la trace que tu n'aies pas fini par dire qu'on ne t'aime pas. Qu'on ne t'aimait pas. Que personne, jamais, ne t'aima. Et c'est de cela que tu souffres. Tu es enfant, je te l'entends dire. Et je pense, je ne sais pas pourquoi, sans que je puisse l'expliquer, sans que je comprenne vraiment, je pense, pourtant je n'en ai pas la preuve, hein, ce que je veux dire, et tu ne pourrais pas le nier si tu voulais te souvenir avec moi, ce que je veux te dire, tu ne manquais de rien. Et tu ne subissais rien de ce qu'on appelle le malheur. Même l'injustice de la laideur, la disgrâce des humiliations qu'elles apportent, tu ne les as pas connues et tu en fus protégé. Je pensais que peut-être, sans que je comprenne, donc, comme une chose qui me dépassait, que peut-être tu n'avais pas tort. Que, en effet, les autres, les parents, moi, le reste du monde, nous n'étions pas bons avec toi. Que nous te faisions du mal. Tu me persuadais. Et je t'ai convaincu que tu manquais d'amour. Je te croyais, je te plaignais. Et cette peur que j'éprouvais, c'est bien là encore de la peur qu'il est question, cette peur que j'avais que personne ne t'aime jamais, cette peur me rendait malheureux à mon tour. Comme toujours les plus jeunes frères, je crois, obligés de l'être par imitation ou inquiétude, malheureux à mon tour, mais coupable encore. Coupable aussi de ne pas être assez malheureux, de ne l'être qu'en me forçant. Coupable de ne pas y croire en silence. Et parfois, eux et moi, et eux, tous les deux, les parents, ils en parlaient, et devant moi encore. Comme on ose évoquer un secret dont on devait me rendre également responsable. Nous pensions, et beaucoup de gens, je pense cela aujourd'hui, beaucoup de gens, des hommes et des femmes, ceux-là avec qui tu dois vivre depuis que tu nous as quittés, beaucoup de gens doivent assurément le penser aussi. Nous pensions que tu n'avais pas tort. Que... Pour le répéter si souvent, pour le crier tellement comme on crie des insultes, ça devait être juste. Et nous pensions, en effet, que nous ne t'aimions pas assez. Ou du moins que nous ne savions pas te le dire. Et ne pas te le dire, ça revient au même. Hein. Pas te dire assez que nous t'aimions, ce doit être comme ne pas t'aimer assez. Et on ne se le disait pas facilement. Rien, jamais ici, ne se dit facilement. Non, on ne se l'avouait pas. Mais à certains mots, certains gestes, les plus discrets, les moins remarquables, à certaines prévenances, ouais, encore une autre expression qui te fera sourire, mais j'en ai plus rien à faire maintenant d'être ridicule, tu ne peux pas l'imaginer. À certaines prévenances à ton égard, nous nous donnions l'ordre, manière de dire, hein, de ne prendre plus souvent et mieux encore soin de toi
garde à toi. Et de nous encourager les uns les autres à te donner la preuve que nous t'aimions plus que jamais, tu ne sauras t'en rendre compte. Mais je cédais. Je devais céder. Toujours, toujours j'ai dû céder. Aujourd'hui, c'est rien. Ce n'était rien, ce sont des choses infimes. Moi non plus, hein. Je ne pourrais pas prétendre à mon tour, voilà qui serait plaisant, un malheur insurmontable. Mais je garde cela surtout en mémoire. Je cédais, je t'abandonnais des parts entières, je devais me montrer, le mot qu'on me répète, je devais me montrer raisonnable. Je devais faire moins de bruit, te laisser la place, ne pas te contrarier. Et jouir du spectacle apaisant de ta survie légèrement prolongée. Nous nous surveillons. On se surveillait. Nous nous rendions responsables de ce malheur, soi-disant. Parce que ton malheur ne fut jamais qu'un malheur, soi-disant. Et tu le sais comme moi, je le sais. Et celles-là aussi, elles le savent. Et tout le monde aujourd'hui voit ce jeu, clairement. Ceux avec qui tu vis, les hommes, les femmes, et tu ne me feras pas croire le contraire, ont dû découvrir la supercherie. Je suis certain de ne pas me tromper. Ton soi-disant malheur n'est qu'une façon que tu as, que tu as toujours eu, et que tu auras toujours, car tu le voudrais, tu ne saurais même pas t'en défaire, tu es pris à ce rôle. Que tu as, et que tu as toujours eu de tricher, de te protéger et de fuir. Rien en toi n'est jamais atteint. Il fallait des années, peut-être, pour que je le sache, mais rien en toi n'est jamais atteint. Tu n'as pas mal. Et si tu avais mal, tu ne le dirais pas. J'ai appris cela à mon tour. Et tout ton malheur n'est qu'une façon de répondre, une façon que tu as de répondre, d'être là devant les autres et de ne pas les laisser entrer. C'est ta manière à toi, ton allure, le malheur sur le visage, comme d'autres, un air de crétinerie satisfaite. Tu as choisi ça, et ça t'a servi, et tu l'as conservé. Et nous nous sommes fait mal à notre tour. Chacun n'avait rien à se reprocher, et ça ne pouvait être que les autres qui te nuisaient et nous rendaient responsables, tous ensemble. Moi, eux. Et peu à peu, c'était de ma faute. Ce ne pouvait être que de ma faute. On devait m'aimer trop, puisqu'on ne t'aimait pas assez. Mais on voulut me reprendre alors qu'on ne me donnait pas. Et on ne me donna plus rien. Et j'étais là, couvert de bonté, sans intérêt, à ne jamais devoir me plaindre, à sourire, à jouer, à être satisfait, comblé, alors que toi, toujours, inexplicablement, tu suais le malheur. Bon, rien, ni personne, malgré tous ces efforts, n'aurait su te distraire et te sauver. Et lorsque tu es parti, lorsque tu nous as quittés, lorsque tu nous abandonnas, je ne sais plus quel mot définitif tu nous jetas à la tête, je dois encore en être le responsable, être silencieux et admettre la fatalité et te plaindre aussi, m'inquiéter de toi à distance et de ne plus jamais oser dire un mot contre toi, ne plus jamais même oser penser un mot contre toi. Rester là comme un benêt à t'attendre. Moi je suis la personne la plus heureuse de la Terre, moi. Il ne m'arrive jamais rien. M'arrive-t-il quelque chose que je ne peux me plaindre, puisque à l'ordinaire, il ne m'arrive jamais rien. C'est pas pour une seule fois. Une seule petite fois que je peux lâchement en profiter. Et les petites fois, elles furent nombreuses, ces petites fois où j'aurais pu me coucher par terre et ne plus jamais bouger. Où j'aurais voulu rester dans le noir sans jamais plus répondre. Ces petites fois, je les ai accumulées, j'en ai des centaines dans la tête. Et toujours, c'était rien, au bout du compte. Qu'est-ce que c'était ? Je ne pouvais pas en faire état.
Je ne saurais pas les dire, je ne peux rien réclamer. C'est comme s'il ne m'était rien arrivé, jamais. C'est vrai, hein. Il ne m'est jamais rien arrivé. Je ne peux prétendre. Oh, oh là là, tu es là, devant moi. Je savais que tu serais ainsi, à m'accuser sans mots. Et te mettre debout devant moi et m'accuser sans mots, je te plains et j'ai de la pitié pour toi. C'est un vieux mot, hein. Oui, c'est un vieux mot. J'ai de la pitié pour toi. Et de la peur aussi, et de l'inquiétude. Et malgré toute cette colère, j'espère qu'il ne t'arrive rien de mal. Et je me reproche déjà, tu n'es pas encore parti. Le mal aujourd'hui que je te fais. Tu es là, tu m'accables. On peut plus dire ça, mais tu m'accables. Tu nous accables. Je te vois, j'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'étais enfant. Je me dis que je peux rien reprocher à ma propre existence, qu'elle est paisible et douce, que je suis un mauvais imbécile qui se reproche déjà d'avoir failli se lamenter, alors que toi, silencieux, oh là, silencieux, tellement silencieux, bon, plein de bonté, tu attends, replié sur ton infinie douleur intérieure, dont je ne saurais même pas imaginer le début du début. Je ne suis rien. Je n'ai pas le droit. Et lorsque tu nous quitteras encore, que tu me laisseras, je serai moins encore. Juste là, à me reprocher les phrases que j'ai dites, à chercher à les retrouver avec exactitude, à... moins encore et avec juste le ressentiment. Le ressentiment contre moi-même. Louis. Oui. J'ai fini. Je ne dirai plus rien. Seuls les imbéciles ou ceux-là, saisis par la peur, auraient pu en rire. Je ne les ai pas entendus. Après ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent, c'est dans le sud de la France. Parce que je me suis perdu la nuit dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route. Le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule. Je n'y risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune. Et je marche seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense... Et c'est ça que je voulais dire. C'est que je devrais pousser un long et beau cri. Un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. Que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir. Hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur les graviers.
Ce sont des oublis comme cela que je regretterai.